Je suis né à Chartres, dans le 28, en Eure-et-Loir, le 21 janvier 1989. Ah, j'étais un élève un peu dissipé et ah, j'aimais bien amuser la galerie. J'étais toujours au fond de la classe, à côté du radiateur, comme on dit. J'ai commencé le foot dans mon quartier à Chartres, où je suis, enfin à l'UC à côté, un petit quartier à côté, où on a commencé sur les foot five avec les copains. Voilà, puis après je commence à l'âge de 3 ans, parce que mon père entraînait, donc j'allais déjà au foot avec mon père, et après j'ai commencé dans les quartiers sur les five et dans les clubs avec les copains, quoi. Ouais, j'ai toujours fait du foot, j'ai fait en parallèle, je faisais du basket aussi pendant une année. J'ai fait du ping-pong aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon là, je fais de l'apnée, de la chasse sous-marine aussi l'été. Je vais essayer tous les sports. Je fais du golf. Je commence à faire du golf. Ouais, j'essaie de faire tous les sports. J'aime bien le sport. Alors les clubs où j'ai évolué. Donc j'ai commencé dans la région de Chartres. Des petits clubs aux alentours, le CS Mainvilliers et l'Amicale de Lucé notamment. Ensuite, je suis arrivé en Bretagne, où là j'ai signé ma licence en U15 au CS Lorla, à côté de Bron, dans les Côtes d'Armor. Ensuite, je suis parti à Dinan-Léon, 5 ans et demi. Je suis parti 6 mois à Châteaubriant en CFA. 2 années à Saint-Brieuc avec la N3 et monté en N2. Je suis revenu 2 ans à Dinan, une année entraîneur-joueur à Plancouët, Arguenon en R2, et là j'entame ma deuxième année à Fougères. Alors mon plus beau souvenir dans le foot, j'en ai plusieurs. J'ai notamment la montée N3 en N2 avec le Stade Briochin, mais j'ai aussi les parcours de Coupe de France avec Saint-Brieuc, notamment 16e de finale contre Lens à Fred Aubert. Difficile aussi là, j'en ai plusieurs. J'aime bien la soupe chinoise de ma belle-mère. Et sinon, ouais, classique, hein, escalope à la crème avec des frites. Ouais, je me concentre comment? Alors, je mets plutôt de la musique. Ça me permet de détendre l'atmosphère un peu dans le vestiaire. Bon, il y en a qui écoutent la musique avec leurs écouteurs, qui se concentrent vraiment, mais moi, non, je mets de la musique, j'essaie d'amuser la galerie. Pour moi, c'est le meilleur moyen de tout libérer avant d'aller. Enfin, par contre, 5 minutes avant le match, ou avant de rentrer sur le terrain pour s'échauffer, concentrer à bloc, on remotive les troupes.